La cause de cet incident malheureux reste encore inconnue. Plusieurs boutiques sont parties en fumée, des vingtaines de fûts d'essence et gasoil sont explosés. Cet incendie, qui a duré presque 2 heures du temps, a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers de la commune d'Abéché et de la force de l'armée française Barkhane, basée à Abéché. Quelques commerçants victimes interrogés ont remercié les autorités locales pour ces interventions rapides. Certains commerçants ont pu évacuer leurs marchandises de leur boutique pour être sauvés. Le maire Mohamed Salih Ahmed Adam a remercié vivement la force Barkhane pour son appui tout en lançant un message à l'endroit des commerçants, message allant dans le sens de ne plus vendre du carburant à l'intérieur du marché. Le gouverneur de la province du Wadaï, Bachar Ali Suleiman, qui a visité le lieu pour compatir avec les victimes, a déploré la situation de ces commerçants qui n'ont pas respecté les normes relatives au stockage et à la vente du carburant.